Mesdames et messieurs les élus, bonsoir, bienvenue, bonsoir à tous. Merci de nous recevoir chez vous à travers vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs, même votre télévision puisqu'elle est maintenant connectée pour la cérémonie virtuelle des vœux de Madame Natacha Bouchard, maire de Calais, présidente Grand Calais Terres et Mers et vice-présidente région Hauts-de-France. Pour ouvrir cette cérémonie retransmise en direct depuis le Forum Gambetta, eh bien, nous vous invitons tout d'abord à découvrir un clip vidéo. Vous vous en doutez, pas n'importe lequel. Celui de la compagnie Hervé Koubi. Hervé Koubi est né à Cannes, mais il sera bientôt, dans quelques semaines, calaisien. Cela fait 20 ans qu'il dirige une compagnie de danse professionnelle à reconnaissance internationale. À titre d'exemple, c'est la compagnie française qui a le plus tourné aux USA ces 40 dernières années. Son aventure de cœur avec le Calaisie existe déjà depuis plus de 15 ans. Vous avez déjà peut-être vu l'un de ses spectacles ici même. Et en tout cas, l'année 2021 devrait marquer son installation avec l'ensemble de sa troupe au sein de l'ancien BCMO. Il pourra ainsi créer à Calais, faire rayonner la ville et son territoire partout dans le monde, mais aussi partager son art avec le tissu associatif, le conservatoire, les établissements scolaires, les différents établissements culturels, et puis témoigner de tout le dynamisme d'une ville d'art et d'histoire qui se tourne résolument vers l'avenir. Alors prochainement, vous allez croiser des danseurs en répétition sur la plage, en centre-ville, dans les quartiers et même avec les chevaux d'Hassen Bouchacourt, car Hervé Koubi est un artiste convaincu que l'art et la danse peuvent être les meilleurs ambassadeurs de notre territoire et qu'à travers eux, danser ensemble est aussi une façon de mieux vivre ensemble. Regardez. Alors, je sais que Hervé Koubi nous regarde ce soir, nous le saluons, après ces images magnifiques qui nous rendent encore plus impatients aujourd'hui.
Je cède la parole à Victor Harlet pour le traditionnel discours du Conseil municipal des enfants. Victor, c'est à vous. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir. Le conseil municipal des enfants est composé de 35 élus. Pour des questions sanitaires, mes camarades du CME n'ont pas pu être présents. Toutefois, je les salue et leur souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Avant d'évoquer nos projets, le CME tenait tout d'abord à vous remercier, madame le maire, pour la cérémonie du mois dernier. Ce fut un moment magique pour nous. Et surtout, vous souhaitez de passer une excellente année 2021. À madame Maïté Mulot-Friscourt, notre adjointe à la jeunesse et à la petite enfance, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux, ainsi qu'à l'ensemble des élus de la ville et de Grand-Calais, terre et mer. 2020 fut certes marqué par une situation sanitaire compliquée. Toutefois, cela ne nous a pas empêchés d'échanger à distance. Notre premier projet a vu le jour. Il s'agit de la collecte alimentaire pour la LPA et la Pégale. Environ 380 kg de nourriture ont été distribués à ces deux associations. Cette année 2021 sera placée sous le signe des gestes citoyens. Nous recyclerons du matériel d'écriture usagé. Cette opération sera organisée du 15 janvier à fin février en partenariat avec l'association Les Coccinelles. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la réussite de cette action. Nous récolterons des t-shirts afin de créer des bonnets pour les enfants malades à l'hôpital. On prévoira un parcours familial dans la ville, si bien entendu les conditions le permettent. Et bien d'autres projets se réaliseront avant la fin de notre mandat au mois de juin. Nous vous annonçons également d'une nouvelle édition du journal télévisé du CME. Sera mise en ligne. Vous pourrez la consulter via la page Facebook de la ville et sa plateforme YouTube. J'invite tous les enfants et adultes à visionner ces beaux reportages. Merci à Caroline Cronier, Jocelyn Motta et Monique Six pour leur accompagnement. Pour conclure notre discours, nous souhaitons à l'ensemble des personnes présentes et à la population calaisienne, une excellente année 2021 et surtout une bonne santé. Merci à vous. Merci Victor. Victor Harlet pour le conseil municipal des enfants. Madame le maire lui remet un bon d'achat, mon shopping c'est Calais. Et puis une place également pour le dragon de Calais. Des cadeaux qui seront distribués à chaque membre du conseil municipal des enfants, bien évidemment. À présent, la parole est à Madame Natacha Bouchard, maire de Calais, présidente Grand Calais Terres et Mers et vice-présidente région Hauts-de-France. Bonsoir à toutes et à tous. Un moment d'émotion au moment de cette réception inédite. Qui, j'espère, sera la seule et unique que nous aurons collectivement à vivre. Tout d'abord, quelques remerciements. Merci à Signature F et Françoise Wickley pour sa création annuelle en dentelle de Calais. Un grand merci, Françoise. Et puis, merci aux équipes qui m'entourent, qui ont permis cette soirée aux médias, à la presse, à la communication, au protocole, aux cérémonies, à la technique, ainsi qu'aux établissements Spencer. Chères Calaisiennes, chers Calaisiens, chers habitants de l'agglomération, à toutes et à tous, élus, sous-préfets, parlementaires, à ma maman, qui ne peut pas être là exceptionnellement ce soir, à ma famille, à ma sœur, mes nièces, mon beau-frère, à mes amis, à vous qui m'entourez et qui avez accepté de faire cette cérémonie commune pour qu'elle soit un peu plus chaleureuse et conviviale. Depuis des mois, autour de nous, nous ne voyons que des demi-visages. Nos amis, nos voisins, nos collègues de travail et même parfois nos proches
nous apparaissent derrière des masques qui dissimulent les sourires et les expressions familières. Il ne nous est plus possible désormais d'échanger que par le regard, et les paroles elles-mêmes ont parfois besoin d'être devinées. Depuis des mois aussi, nous avons perdu l'habitude de nous embrasser, de tendre les bras, de nous saluer de deux bises qui s'accompagnaient d'un bonjour pour protéger ce que nous aimons. Il nous a fallu renoncer soudainement à ces gestes simples pour adopter d'autres gestes qualifiés de barrières. Notre vie, nos vies, ont été bouleversées au point de limiter nos relations familiales et professionnelles à des visioconférences. Les écrans, la distance, l'éloignement sont devenus aujourd'hui la règle. Pendant des mois, nous avons été arrachés à nos proches. Pendant des mois, nous avons dû renoncer aux marques d'affection, à ce besoin d'être entourés, à ces contacts chaleureux qui faisaient notre quotidien. Et c'est parce que nous en avons été privés que nous mesurons aujourd'hui à quel point ces gestes sont précieux. C'est parce que nous en avons été privés que nous en mesurons la valeur. Au plus profond de nous, nous avons bien compris que cette relation à l'autre, que ces petits riens qui tissent les liens de tous les jours, sont peut-être ceux qui nous a le plus cruellement manqué. Aujourd'hui, ce sont sans doute ces épreuves qui doivent nous rapprocher, nous souder, révéler ce que nous sommes et ce que les autres sont pour nous. Ce sont ces épreuves qui doivent nous permettre d'envisager ensemble un avenir toujours plus solidaire et toujours plus fraternel. Mais c'est aussi cette conviction qui, dès le début de la crise, m'a convaincue que le confinement ne devait pas signifier isolement. Si les règles sanitaires exigeaient de se protéger et de protéger les autres, si la crise a restreint notre liberté, elle ne devait pas conduire à un sentiment de solitude et même d'abandon. Et je dois dire que au premier jour de la crise, c'est vers vous, habitants de Calais et de l'agglomération, que se sont tournées mes pensées. C'est vous qui avez été au cœur de mon action. Tout au long de ces derniers mois, c'est pour vous et à vos côtés que je suis restée mobilisée. Face à des bouleversements d'une ampleur exceptionnelle, je me suis quotidiennement posé cette question : comment intervenir au plus près de la population de Calais et du Calaisis ? Aujourd'hui, malgré l'éloignement, j'ai le sentiment que nous ne nous sommes jamais quittés. Souvent, je me suis adressée directement à vous, comme si, comme ce soir encore, ce fut par vidéo interposée, le dialogue, le contact et les échanges n'ont jamais été rompus. Le besoin réciproque de se retrouver fut un plaisir à chaque fois partagé. Et je dois dire aussi qu'en vous assurant de mon soutien et de mon affection, je n'imaginais pas tant de messages et d'encouragements qui puissent m'être adressés. Une fois encore, j'ai appris beaucoup de nos échanges. Ils m'ont une fois de plus renseignée sur vos besoins,
vos attentes, vos craintes, aussi face aux mois éprouvants que nous avons partagés. C'est cette dimension humaine qui donne du sens à toute action publique, et c'est encore elle qui me guide dans les choix que je fais pour surmonter la crise. Le principe que j'ai adopté est simple : agir, réagir, anticiper pour apporter quotidiennement des réponses à vos préoccupations, à vous, Calaisiens, à vous, habitants de notre belle agglomération. La crise sanitaire, chacun le constate, est encore loin d'être derrière nous. Elle explique d'ailleurs le format particulier de cette cérémonie ce soir, qui, pour des raisons évidentes de sécurité, n'a pu être ouverte à la population. Mais j'ai souhaité, en concertation avec mes collègues maires qui sont ici à mes côtés, qu'elle soit retransmise sur notre site internet et sur nos réseaux afin de maintenir une tradition et un rendez-vous qui nous sont chers. J'ai ainsi le plaisir de m'adresser ce soir à l'ensemble des habitants de l'agglomération, aux côtés des maires, des vice-présidents et de mon équipe municipale. Dès le début de la crise, nous, élus de l'agglomération, avons en effet été mobilisés collectivement pour faire face à l'urgence et à celle en particulier de protéger et de vous accompagner. Voilà pourquoi, chaque jour, nous avons été en première ligne pour assurer, chacun dans nos communes, une distribution individuelle de masques, assurer un accompagnement des jeunes au travers des centres de loisirs, proposer des activités grâce aux centres sociaux, aux associations, aider nos aînés et les plus fragiles dans leur quotidien grâce à nos CCAS ou encore doter les professionnels de santé en matériel sanitaire. Aujourd'hui, la vaccination est possible. Elle se développera dans les jours et les semaines à venir et permet d'espérer un retour à une vie normale. Mais avant son complet déploiement, la lutte contre la COVID doit se poursuivre pour protéger les habitants. Intervenir utilement au service du bien commun et de l'intérêt général, telle a été et telle reste notre feuille de route. Notre combat, bien sûr, n'a pas été uniquement sanitaire. Dès l'annonce du confinement, nous sommes intervenus pour limiter les impacts inéluctables des fermetures imposées. Nous avons agi pour éviter que les commerces, les artisans et les entreprises ne soient encore plus durement frappés. Et, en sauvegardant l'emploi, nous avons préservé un grand nombre de familles. La mise en place d'une cellule d'urgence portée par le service commerce de la ville, la direction du développement économique de l'agglomération, les équipes de Calais Promotion et celle de la SPL Cœur de Vie s'est traduite par l'attribution aux commerçants, aux artisans, aux acteurs économiques de près de 3 millions d'euros d'aide directe. Et encore aujourd'hui, l'aide sera au rendez-vous pour les établissements qui subissent encore la fermeture administrative, et je les invite d'ailleurs à se rapprocher dès demain de l'agence. Être réactif, inventif, efficace pour faciliter la vie des habitants et soutenir le commerce local. C'est encore cet objectif qui m'a amené à renforcer le service d'achat en ligne
et de livraison à domicile, mon shopping s'est calé. Cette réflexion a abouti à la mise en place d'une formule de chèque cadeau accessible aux consommateurs du Calaisis et financée à hauteur de 30% par la ville. C'est grâce à cette mesure, qui a remporté un succès considérable, que 1,6 million d'euros a été injecté directement dans l'économie calaisienne. L'engouement des commerçants incarne le succès de cette opération, qui a même été citée en exemple dans les reportages nombreux télévisés nationaux. Et déjà, je vous l'annonce, dès la réouverture des restaurants, nous lancerons une nouvelle campagne d'une quinzaine de jours afin d'être à leur côté au rendez-vous. Cette implication au plus près du quotidien et de nos concitoyens fait tout le sens de notre engagement politique. Il s'est révélé particulièrement fort en cette année 2020, mais il est au cœur de notre engagement de maire, de vice-président, d'adjoint et d'élus locaux. Lorsqu'en mars dernier, vous m'avez renouvelé votre confiance pour un troisième mandat, je vous disais que cela serait bien de pouvoir me donner cette confiance pour continuer à me battre au quotidien pour chaque Calaisienne et chaque Calaisien. Vous le savez déjà, mais je vous le redis, cet engagement perdurera bien au-delà de cette année 2020. Nous avons commencé à décliner cette stratégie du vélo afin de rendre la pratique plus accessible et plus sécurisée. Cette volonté nous permet de répondre à une double ambition. D'une part, d'améliorer le quotidien de chacun en offrant la possibilité aux Calaisiens de faire l'acquisition d'un vélo grâce à l'aide de l'achat d'un montant de 100 à 150 euros. À l'avenir, il s'agira de développer encore plus le nombre de pistes cyclables. C'est près de 1000 accompagnements à l'achat du vélo que nous avons réalisé cette belle action qui dure jusqu'au 30 janvier, encore quelques jours, pour les plus valeureux. D'autre part, améliorer la continuité cyclable, c'est aussi renforcer notre offre touristique dans l'ensemble de l'agglomération. Améliorer le quotidien de chacun passera aussi et surtout par l'embellissement de notre cité. La propreté de nos rues, la réfection des voiries, les trottoirs, l'éclairage public, l'aménagement d'espaces verts sont des éléments clés à la qualité de vie. Dès cette année, nous lançons une étude en vue d'établir un contrat de performance énergétique. Cette démarche permettra à terme la modernisation complète de l'éclairage public calaisien selon les meilleures normes environnementales en vigueur. Améliorer le quotidien en 2021 et dans les années à venir passera aussi par l'embellissement de l'espace public. Cette année, je proposerai au conseil municipal de voter une enveloppe en hausse de 47% afin de rénover encore plus de voiries et de trottoirs. Enfin, améliorer le quotidien, c'est également assurer la sécurité de tous. Chaque Calaisienne et chaque Calaisien doit pouvoir se déplacer en toute sérénité, et cela dans chaque quartier de la ville. Cette stratégie marche sur deux jambes. D'une part, la continuité du déploiement de la vidéosurveillance et d'autre part, l'augmentation des effectifs
de notre police municipale avec l'embauche de deux nouveaux collègues déjà sur l'année 2020. À l'horizon de ce mandat, nous nous sommes fixés comme objectif de recruter 14 agents supplémentaires. Il nous en reste 12 pour la fin de ce mandat. Cette volonté municipale se complète à l'échelle de l'agglomération par notre projet de territoire. Nous, maires et vice-présidents de Grand Allée, Terres et Mers, l'avons défini en choisissant des axes clairs, précis et ambitieux. Renforcer les infrastructures au service des déplacements de personnes et de marchandises. Développer les projets économiques multiples. Bâtir un territoire où il fait bon vivre et bien habiter. Mettre en œuvre un projet social et culturel novateur. Développer des équipements à destination des habitants en matière de solidarité, de culture, de loisirs, de santé. Préserver et gérer durablement les ressources en eau, en air, nos sols, notre bassin de vie. Faire de notre territoire une référence et la référence touristique. À ce propos, en matière de tourisme, l'affluence et l'adhésion du public de la dernière saison, malgré les conditions, a une nouvelle fois récompensé nos efforts. D'année en année, cette démarche permet d'asseoir la réputation et la notoriété de Calais et du Calaisis, reconnu pour son dynamisme, son caractère balnéaire et l'originalité de ses animations. Élaboré dans des délais bouleversés par l'actualité sanitaire, notre programmation estivale, malgré tout, a tenu toutes ses promesses. Elle a largement séduit nos différents publics par son audace et son inventivité à la mesure des circonstances. Nombre de visiteurs témoignent aussi de la transformation spectaculaire de Calais Plage. C'est le 14 juillet prochain, le lancement des festivités auxquelles je vous invite tous à participer, qui marquera l'ouverture officielle de notre station totalement redessinée. Avec les maires, je vous invite également à Escale à Calais, qui se déroulera du vendredi 21 au lundi 24 mai et qui annoncera la programmation d'animation de grande envergure prévue pour l'inauguration. Cette politique d'attractivité dynamique et volontarisme est servie aussi par notre dragon, le dragon de Calais, qui a connu pour son premier été une affluence particulièrement soutenue. C'est près de 17 000 voyageurs qui ont été transportés sur son dos malgré le contexte sanitaire. Au mois de septembre dernier, l'arrivée d'un iguane a constitué une étape importante. Deux compagnons de notre dragon, un petit varan et un squelette dragon, arriveront en 2021 et 2022, marquant ainsi la poursuite de ce projet culturel. Se tournera ainsi le premier chapitre d'une histoire qui se prolongera en 2024 avec l'arrivée des deux nouveaux varans de voyage qui pourront emprunter le chemin de chaque quartier et de chaque commune. Ces deux nouvelles machines pourront accueillir chacune 25 voyageurs pour une belle déambulation dans la ville et dans notre agglomération. La même année, le Fort Risban sera lui-même converti en un lieu de vie et d'accueil propre à la découverte de l'univers de François de La Rosière.
Les retours médiatiques démontrent que nous nous signalons positivement aux yeux de la France entière et que nous avons su faire évoluer une notoriété souvent écornée en une image particulièrement favorable. Et chacun le constate, les projets que nous portons se concrétisent et Calais se transforme. J'évoquais à l'instant notre effort collectif, tant pour Calais que pour notre agglomération, qui vise à créer des conditions favorables d'attractivité, notamment en matière touristique. Mais il est bien évident que notre action ne se résume pas à cet axe de développement, aussi important soit-il. Et s'il est bien une question sur laquelle nous restons aussi particulièrement mobilisés, c'est bien celle de l'économie et avant tout celle de l'emploi. À court et long terme, notre action et celle de nos partenaires économiques vise à promouvoir le potentiel de Grand Calais, Terres et Mers. Accompagner, investir, développer les zones d'activité ou conforter les offres immobilières pour les entreprises. Le secteur de la logistique et du transport constitue un volet essentiel de cette stratégie qui est fondée sur notre position géographique exceptionnelle. D'ailleurs, les entreprises ne se trompent pas sur le potentiel de notre agglomération. Comment expliquer autrement que, dernièrement encore, 3 sociétés britanniques et espagnoles aient choisi Calais comme base arrière pour organiser le transport des marchandises de leurs clients entre le Royaume-Uni et le continent. Dans le contexte de rétablissement des frontières, tout l'enjeu pour nous est de démontrer que les opérateurs tirent de grands avantages à s'installer chez nous pour planifier leur activité et sécuriser les échanges avec la Grande-Bretagne. Le groupe Cargo Beamer lui-même comprit très tôt en s'installant sur le pôle logistique de Transmark à Turquerie. Le terminal d'autoroute ferroviaire marque une étape essentielle dans le développement de cette zone qui permettra dès le mois de juin de relier Calais au centre logistique et industriel majeur. Et c'est dès aujourd'hui le premier train de matériel qui est arrivé en début d'après-midi. Également attirée par le potentiel de développement de la Turquerie, la filiale de Calais Log Invest a choisi d'investir 52 millions d'euros dans la création d'un bâtiment logistique de 100 000 m² qui verra le jour à la fin de l'année 2022. Je pourrais multiplier encore les exemples et évoquer l'ouverture du parking sécurisé de Calais Truck Stop, l'extension de 54 000 m² de l'entreprise RDV sur la zone de Transmark, la création d'une nouvelle usine de transformation des produits par la société CGF Charcuterie sur la zone des terrasses à Coquel, le lancement d'un nouveau pôle tertiaire sur la zone de la briqueterie à Frétin ou l'extension du site Alcatel, dont le carnet de commandes est très encourageant pour l'avenir. Si cette dynamique est si essentielle et si nous y consacrons autant d'énergie, c'est parce qu'elle se traduit concrètement par de la création d'emplois. Nous, maires, n'oublions pas que ce sujet reste prioritaire parce qu'il concerne directement les familles de l'ensemble de notre territoire. Je l'ai toujours dit, derrière des chiffres et les statistiques, il y a avant tout des hommes et des femmes. Depuis quelques jours, nous sommes devenus
une ville et un territoire frontaliers. Depuis maintenant 4 ans, nous nous préparons collectivement à cette transition. Au soir même du 31 décembre, j'ai tenu à être personnellement présente sur le site du tunnel pour vérifier que tout fonctionnait comme nous l'avions prévu et vérifier la fluidité du trafic. Du côté du port, j'ai également pu observer les mesures exceptionnelles prises pour accompagner les transporteurs bloqués à Douvres et ainsi améliorer les conditions de circulation. Et pour notre port, le plus gros chantier du siècle, c'est en septembre de cette année que l'on pourra lancer la mise en service et la nouvelle exploitation. Nous devons cependant rester vigilants dans la durée, et c'est pourquoi j'appelle les autorités à considérer cette question avec toute l'attention qu'elle mérite. Par ailleurs, la question du duty free concentre elle aussi tous nos efforts. Vous savez que je plaide de longue date pour sa réintroduction sur l'ensemble d'un périmètre de Calais ou de son agglomération applicable à l'ensemble de nos commerçants et de nos artisans. Défendre nos intérêts, c'est également obtenir un soutien financier pérenne de l'État pour accompagner notre stratégie de développement. Je considère qu'il s'agit là d'une juste compensation pour le préjudice que nous avons subi et que nous continuons de subir. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au Premier ministre Jean Castex la réécriture d'un nouveau contrat territorial. J'espère que le gouvernement sera au rendez-vous. Avec le concours des services de la ville et de l'agglomération, nous nous attacherons aujourd'hui à la rédaction de ce dossier que je suis déterminée à faire aboutir. Chères Calaisiennes, chers Calaisiens, chers habitants de Grand Calais, Terres et Mers, et pour toutes celles et tous ceux qui avaient envie de suivre cette cérémonie, la crise du Covid a bouleversé notre quotidien, mais n'a pas entamé notre détermination. Pour nous, maire, vice-président de l'agglomération, élus municipaux, adjoints, les réussites que j'ai évoquées offrent des motifs de satisfaction. Elles sont aussi un encouragement à persévérer et à poursuivre notre combat pour notre territoire. Les épreuves que nous avons traversées ont exigé beaucoup de force d'âme. Elles ont exigé des actes et un travail résolu. Mais plus que tout, peut-être, la crise sanitaire nous a amenés à lutter ensemble. Elle a imposé des distances, mais elle ne nous a jamais séparés. Et bien au contraire, ce que nous avons vécu ensemble nous a rapprochés et a donné plus de sens encore à ce qu'est le vivre ensemble. Au plus fort de la crise, de nos maisons, depuis nos fenêtres, c'était aux autres, à ces visages familiers que nous avons pensé. Aujourd'hui, nous pensons encore à celles et ceux qui se sont exposés en première ligne, à tous ces professionnels qui ont œuvré, qui œuvrent encore aujourd'hui pour permettre à la France de tenir. Leur courage et leur abnégation forcent le respect. Ils sont aussi un message d'espoir. Nous avons tous les raisons de garder confiance et de croire en un destin commun.
Demain, renforçons ce lien qui n'a jamais été rompu. Faisons en sorte que l'année qui s'annonce soit fraternelle et solidaire. Demain, comme aujourd'hui, faisons en sorte, collectivement, que 2021 soit une année d'espérance, de projet, de vision en l'avenir. Je vous souhaite chaleureusement une excellente année 2021. Merci. Merci Madame le maire, merci Madame la présidente pour ce discours qui maintenant fait place aux mises à l'honneur. Madame le maire a souhaité les maintenir pour la ville de Calais et Grand Calais, Terres et Mers. Alors de manière, je vous le dis tout de suite, un petit peu différente de l'habitude. C'est vrai que d'habitude c'est un petit peu plus convivial, nous pouvons poser des questions à nos invités. Là pour des raisons sanitaires que vous comprenez aisément, nous allons vous présenter les structures mises en avant et bien sûr nous appellerons leurs responsables à venir nous rejoindre. Nous allons donc débuter avec deux élus qui vont venir parmi nous au centre de l'espace, Monsieur Michel Ami, maire de Coquelles et premier vice-président du conseil communautaire, et puis Monsieur Emmanuel Ajus, premier adjoint au maire de la ville de Calais, qui en compagnie de Madame le maire vont procéder donc à ces mises à l'honneur et bien sûr aux fameuses récompenses. Plusieurs catégories. Madame le maire, je vous laisse annoncer la catégorie association. Alors, dans la catégorie association, j'ai souhaité qu'on puisse mettre à l'honneur à travers Madame Perrine Duquesne, qui est la directrice Unicité, tous les jeunes qui contribuent dans nos collectivités, mais dans tous les projets, à se former, à trouver des parcours de vie, mais aussi des parcours solidaires. Donc, merci à Perrine Duquesne d'être présente parmi nous ce soir. Voilà, Perrine, vous pouvez venir nous rejoindre. Voilà, pendant que les cadeaux sont remis, je vous parlais un petit peu de Perrine Duquesne et d'Unicité, donc une association qui propose à des jeunes entre 16 et 25 ans de s'engager sur des missions de solidarité dans le cadre d'un service civique sur le territoire. Depuis 2012, ce sont plus de 70 jeunes par an qui se sont investis aux côtés d'Unicité. Parmi les missions les plus fréquentes, citons les visites et appels aux personnes âgées. Dieu sait si c'est important en ce moment. L'accompagnement des personnes en situation de handicap, la sensibilisation à la santé, au numérique, à la citoyenneté et au patrimoine. La structure s'est mobilisée aux côtés de la ville de Calais et de Grand Calais, Terres et Mers pour la distribution de masques. Encore bravo à Perrine Duquesne. Bravo à vous, merci. Voilà qui repart avec la médaille de la ville. Dans la catégorie jeune. Alors, dans la catégorie jeune, le choix était difficile, compliqué. Mais j'ai souhaité mettre à l'honneur en fait les jeunes de l'école Mouchotte, notamment à travers Madame Laura Fiers, qui a accompagné et encadré ces jeunes. Madame Laura Fiers, qui nous retrouve. Bonsoir. Bonsoir. Madame Laura Fiers est directrice du groupe scolaire Mouchotte maternelle et élémentaire. En mai 2020, afin d'assurer le lien entre les élèves présents à l'école et ceux restés à la maison, eh bien, l'équipe éducative a eu l'idée de créer un clip humoristique sur les gestes barrières liés à la Covid-19. Alors tout le monde s'y est mis, hein. Enseignants, parents, enfants, ils ont été nombreux à participer en envoyant des photos et des vidéos réalisées à la maison pour alimenter le clip. Alors si vous voulez le voir, on n'a malheureusement pas le temps de le diffuser ce soir, mais si vous voulez le voir en intégralité, direction YouTube et vous tapez Clip École Mouchotte. Félicitations. Voilà, madame,
Madame Laura Fiers qui reçoit un bouquet, puis le livre Le filet de Valérie Maguin, qui sera remis d'ailleurs aux 15 classes de l'école. Un livre magnifique que je vous conseille, hein, si vous avez des cadeaux à faire, sur la dentelle de Calais, entre autres. Merci beaucoup, Madame Fiers. Merci à vous. Nous poursuivons ces mises à l'honneur avec quatre mises à l'honneur dans la catégorie entrepreneur. Alors, beaucoup d'investisseurs sur cette année, mais d'autres sont très, très entreprenants et toujours issus et souvent issus du territoire. Et je souhaitais mettre à l'honneur Monsieur Antoine Ravis pour son engagement et la création de la société Truck Stop. Voilà, bienvenue Calais Truck Stop, qui est une filiale de Via Calais, un groupe créé par quatre investisseurs locaux, Patrick Foissé, David Sagnard, Jean-Louis Foissé et Antoine Ravis. Calais Truck Stop est un concept qui regroupe un parking sécurisé pour poids lourds, une station de lavage pour les citernes routières, alimentaires, industrielles et remorques frigorifiques. Calais Truck Stop offre donc une situation géographique idéale pour organiser les temps d'attente des conducteurs routiers aux abords de la 16, hein, sortie numéro 48. Un investissement de 6 millions d'euros a été réalisé donc par les quatre investisseurs et a permis à cette structure de voir le jour. Monsieur Ajus, voilà, remet la médaille de la ville. Merci beaucoup, monsieur Ravis. Toujours dans la catégorie entrepreneur. Alors, entrepreneur, j'ai souhaité aussi montrer que les entrepreneurs à Calais, les investisseurs sont divers dans différents milieux et environnements. Et je souhaitais mettre en valeur monsieur Jérôme Boyaval, qui représente la société Prisman Draca. Alors nous appelons monsieur Jérôme Boyaval. Bonsoir, le directeur de l'usine Prisman de Calais, Prisman Group, qui est le leader mondial de l'industrie des câbles et le premier fournisseur de câbles optiques en France, avec une part de marché d'environ 40%. Alors, il faut savoir que c'est l'acteur majeur du plan France Très Haut Débit, destiné à fibrer l'ensemble du territoire national d'ici 2025. Prisman Group, depuis son unité de production à Calais, est le fournisseur principal de câbles optiques du projet La Fibre Numérique 5962. Et monsieur Ami remet la médaille de la ville de Calais à monsieur Boyaval. Et puis des réussites, on en a aussi dans l'industrie alimentaire. Et on en parlait tout à l'heure de CGF Charcuterie et monsieur Romain Huchin, qui se sont développés à Coquel. Et je pense que M. Huchin est excusé ce soir. Voilà, alors malheureusement, il y a un petit peu moins d'une heure, il a eu un empêchement de dernière minute pour venir nous retrouver ici en direct au Forum Gambetta. Mais je vous propose, Madame le maire, de raconter un petit peu l'histoire de trois amis, dont deux frères. C'est la signification d'ailleurs du nom de l'entreprise, qui vient des initiales du prénom des trois amis, Christophe Huchin, Gérard Cause et Frédéric Huchin. En 2008, Manuel et Romain Huchin ont intégré l'entreprise avant de la reprendre en 2012. Et depuis le début de l'activité, rien n'a changé. La politique de l'entreprise, c'est invariablement la qualité et surtout l'approvisionnement régional des matières premières. Depuis, CGF Charcuterie ne cesse de croître et est devenu l'acteur incontournable du marché agroalimentaire des Hauts-de-France. Et puis, bonne nouvelle, ouverture prévue en juillet d'une nouvelle unité de production à Coquel, donc l'histoire continue et continue bien. Sur notre territoire. Félicitations en tous les cas et merci à monsieur Huchin. On parle beaucoup du bien manger. On a fait dans des conditions un peu particulières nos premières assises du bien manger. Et pour cela, il y a un organisme, un regroupement d'éleveurs, d'agriculteurs qui initiés par Madame Isabelle Luis, qui est élue récemment depuis le mois de mars. Félicitations. Les anciens sont des élus réélus. C'est une société qui fonctionne très bien. Et j'ai tenu à mettre à l'honneur justement
eh bien, cette société et pour la représenter, d'appeler monsieur Jean-Yves Bourbiot, qui nous fait un jambon. Vous pouvez applaudir, monsieur Jean-Yves Bourbiot. Un jambon et un saucisson d'excellence. Bonsoir Jean-Yves, le président de la SAS Au goût de la ferme qui réunit 9 associés et 30 producteurs du Calaisis pour la vente en direct des produits de la ferme. L'établissement est situé route de Saint-Omer à Calais depuis 2016 et propose en circuit court des produits de qualité en magasin et aussi avec un distributeur 24 heures sur 24. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation et le confinement aura eu le mérite de faire découvrir la formule à de nombreux habitants soucieux de retrouver des produits authentiques. Au goût de la ferme participe donc Madame le maire, nous l'a précisé, aux assises du bien manger mises en place par la ville et Grand Calais, Terres et Mers. Nous vous remettons. Merci, hein. Merci à vous. Continuez Monsieur comme Agis, ça, vous remet on a besoin de vous. La médaille de la ville hein, pour vous et tous vos associés. Bravo. Merci. Madame le maire, nous poursuivons avec la catégorie commerce. Comment ne pas aborder le commerce sans parler de Monsieur Antoine Brice et de TTC 2000. Voilà, de l'importance qu'ils ont joué dans cette année 2020 avec leur accompagnement. Si dans les hôpitaux et les différents établissements, on a pu avoir des blouses, des surblouses, c'est parce que cette entreprise s'est mobilisée et a permis d'accompagner dès les premiers jours la sécurité sanitaire. Donc pour cela, un grand merci et je vous invite à continuer. Voilà Antoine Brice qui est le directeur de la mercerie créative TTC 2000 située rue du Temple. Le commerce existe depuis 1970 et a constamment su se réinventer au gré des modes et puis aussi au gré des besoins des consommateurs. C'est une équipe de 6 personnes qui s'est mobilisée durant le confinement et a confectionné plus de 10 000 masques distribués dans le Calaisis. 4000 surblouses pour le centre hospitalier de Calais. 80 km d'élastiques ont également été envoyés partout en France pour la fabrication de masques. Et l'entreprise a fait de nombreux dons durant cette opération. Bravo. Félicitations. Voilà, monsieur Ami vous remet la médaille de la ville. Merci à Antoine Brice. Catégorie exceptionnelle. Catégorie exceptionnelle pour voilà, en connaître bien la ville et souhaiter qu'on ait beaucoup d'ambassadeurs et d'ambassadrices, eh bien, nous avons repéré Estelle Korn, qui est influenceuse, la Calaisienne. Que vous pouvez applaudir. Bonsoir. Merci. Estelle Korn est accompagnante d'enfants en situation de handicap dans les écoles primaires. Hein. Vous connaissez peut-être les AESH. Et le soir, pour se détendre, entre autres, parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien les séries aussi, eh bien, depuis un an, elle communique via son site calaisienne.fr sur les réseaux sociaux sa passion pour Calais et sa région. Alors, le patrimoine, l'histoire, la gastronomie, les sites touristiques. Estelle diffuse mille et une idées pour mieux vivre sa ville. Son objectif est de rendre le Calaisien fier de sa ville et d'en faire un ambassadeur pour les nombreux touristes qui visitent notre cité. Bravo. Merci. Voilà, monsieur Ami remet la médaille de la ville. Et nous sommes arrivés, madame le maire, à la dernière mise à l'honneur. Et pour la dernière mise à l'honneur, une découverte, monsieur Hugo Lassalle avec son atelier LICE. Hugo, vous pouvez venir nous rejoindre. Un créateur. Est-ce qu'il a mis ses baskets? Ben j'espère, voilà. Bien. Je ne sais pas si on va pouvoir, voilà, faire un plan sur ses baskets. Hugo customise toutes les baskets à votre envie, à votre goût, à votre humeur. Voilà, au mois que vous souhaitez, vous pouvez en changer toutes les semaines, tous les mois, toutes les tenues. Mais voilà, c'est important pour nous d'avoir des créateurs jeunes comme ça qui donne de l'énergie et de la dynamique. Merci beaucoup. Alors, jeune, effectivement, Madame Le Maire, puisqu'il a 20 ans. Il a eu 20 ans il y a quelques semaines. Il est étudiant en BTS MCO au lycée Coubertin. Et en fait, c'est la famille et les amis qui l'ont poussé à développer son activité en créant une auto-entreprise, Atelier LAS,
LA2S comme les quatre premières lettres de son nom, la salle. Et eh bien aujourd'hui, il y a un site internet qui est en cours de construction, mais ça ne serait tarder. Et il se propose de customiser vos baskets, cuir, textile, en fonction de vos goûts, de vos envies. Enfin voilà, la limite, c'est celle de l'imagination. Bravo Hugo. Que ça vous porte chance. La médaille de la ville pour Hugo. Merci beaucoup. Eh bien, Madame le maire, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie inédite retransmise en direct. Pour ceux qui en douteraient, je vais vous donner l'heure. Il est très précisément 19h55. Voilà. Et monsieur Ami remet au nom du conseil. Je suis comblée. Je vous communautaire remercie. Et municipal. Merci, merci à tous les élus, merci. Merci à vous. Un magnifique bouquet. Un peu plus grand que d'habitude. Hein. Il est un peu plus grand que d'habitude. Et un peu plus lourd aussi, j'ai l'impression. Voilà. François est là. Madame le maire, vous avez choisi la musique pour nous quitter. Je vous laisse annoncer ce qui est une véritable exclusivité. Ben, voilà, en quelques mots, le 1er novembre de l'année dernière, nous avons vu arriver le dragon. Ça aurait fait un an, en fait, ce 1er novembre dernier. Et à cette occasion, nous avons, pour accueillir le dragon, reçu 400 000 visiteurs. Et le dragon était accompagné par un orchestre. Et beaucoup m'ont demandé de bien vouloir récupérer en fait cette musique par l'orchestre. Et voilà, je vous en donne un tout petit extrait ce soir pour vous donner envie de pouvoir voilà, récupérer ce magnifique moment musical dans les quelques jours. Bonne soirée et encore très belle année à tous. Vous pouvez compter sur tous les élus qui sont ici présents ce soir. Nous sommes vraiment mobilisés à vos côtés. Merci, Madame le maire. Merci, Madame la présidente. Merci aux élus présents dans la salle. Merci aux équipes techniques de la ville de Calais et des établissements Spencer. Écoutez donc maintenant en exclusivité un extrait de la bande originale du spectacle Le Dragon de Calais, composé par Mino Malan et qui sera prochainement disponible en CD, téléchargement et même en vinyle pour les collectionneurs un peu plus tard dans l'année. Dans cet extrait, vous allez notamment écouter le violon de Céline Potier, enseignante au conservatoire. Belle soirée à tous, bonne année.